Bah, je vais vous demander de vous présenter un par un, comme toujours. Bonsoir, Alexis, je suis le guitariste dans Dolores. Ok. Fred, chant et guitare. Ok. Jérémy, batterie. Salut, moi c'est Cross, je suis à la basse et je fais les chœurs. D'accord. Votre historique, vous avez sorti trois albums en 2007, puis 2007, 2009 et 2011. D'accord, et plus rien. Si, bah, un album l'année dernière. Ouais, donc ce long break, il s'explique. Pas vraiment. Non. Il s'explique pas vraiment. Bon, c'est les aléas de la vie, on va dire. Je sais pas, moi, qu'est-ce que t'en penses? Il y a plusieurs fois. Il y a eu des sessions avec des batteurs, beaucoup de sessions avec des batteurs. Et puis au bout d'un moment, la vie fait que on avait envie de faire d'autres choses, donc on a fait d'autres trucs. Ouais. Et puis on est venu à l'évidence qu'on aimait bien partir en tournée avec les copains quand même, faire du rock'n'roll un peu partout en France. Et on a remis le couvert il y a 2-3 ans, là, on s'est dit vas-y, c'est parti pour moi. D'accord. Et les deux autres nous ont rejoints pour en faire le travail. Chez Alex qui est un génie de la guitare, qui a eu... je fais ce qu'il veut pas faire. Il a eu une école de guitare et tout, enfin, c'est vraiment un petit génie. Et puis Jérém, lui, s'est imposé, il nous a envoyé un message un jour en disant si un jour vous prenez, je suis chaud pour faire la batterie. Du coup je suis le mieux batteur de Dolores qui et c'est hyper cool, on sait pas hyper bien. C'est la fête. On va parler du dernier album. Le troisième, album, il est très produit, il est moins punk, les deux premiers sont vraiment, c'est dans l'énergie. Ouais, ils sont bruts, ouais. Ouais. Et le dernier revient un peu dans la lignée des deux premiers. En fait, le dernier, c'est le troisième, en fait. Ça aurait dû être le troisième. Ouais. Le troisième aurait peut-être dû être le quatrième. Mais là, je trouve qu'on a trouvé un bon équilibre entre production et puis énergie. On va rester un peu sur ce truc-là. Parce qu'on a même dit que c'est l'album qu'on vient de faire. Ouais, on a trouvé beaucoup de produits. En fait, on a été frustrés. Entre le premier et le deuxième, on a été hyper frustrés. C'est que, en fait, c'est les deux mêmes, quoi. Non, les deux mêmes. Et le batteur de l'époque, on lui avait dit calme un peu les tempos, essaye de faire des trucs un peu plus vite tempo, qu'on ait en fait des morceaux rapides et puis aussi des morceaux un peu plus posés, quoi. Mm-hmm. Et plus péchu, parce qu'en fait ralentir le tempo c'est aussi imposer une puissance. Ouais. Tu vois, c'est pas forcément. C'est pas forcément perdre en énergie. Quoi. Et du coup, en fait, je crois qu'on a été tellement frustrés sur le deuxième qu'il n'y ait pas de marge de progression. Mm-hmm. On a fait un troisième où on s'est dit, on se pose, voilà. Je pense que c'est arrivé comme ça. Mm-hmm. C'est marrant, d'un œil extérieur, c'est pas les mêmes. Hein. Bah non. Non, mais je parle du premier et du deuxième. Pour moi, c'est pas les mêmes. Hein. Ça va vite, il y a trop de morceaux. Il y a beaucoup de morceaux, ça c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est un peu le truc. Depuis 10 ans après, tu vois, je crois qu'on a trouvé notre recette. Je sais pas si on a trouvé la recette, mais on a trouvé notre recette qui nous va bien. I'm gonna get you.
Alors n'ayons plus peur de moi. Sur les albums, il y a toujours une intro qui sécoise des murs. Casse les couilles. En plus, ouais. C'est genre le truc que tu zappes, quoi. Ouais, je sais pas. J'ai ce sens, tu sais, du. J'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup le cinéma. Et en fait, je sais pas, il faut une intro, quoi. C'est Gaïa Asso, notre label. À chaque fois, il m'appelle, il me fait franchement, vous retirez l'intro et c'est votre meilleur album. Et puis je fais ok, et il me laisse. J'en ai rien à voir. En fait. Il faut une intro, il faut une plage cachée. J'ai un problème avec ça. Voilà. Je sais que ça casse les couilles à tout le monde, mais moi ça me fait plaisir. On a toujours une intro, alors pourquoi arrêter? Oui. Même si elles sont dégueulasses, on s'en fout, c'est une intro quoi. Elles sont étranges. Et au pire, tu as rien à voir en fait. Non, la dernière elle est bien quoi. Par rapport aux premières. Mais bon, après, ouais. T'as l'impression, l'intro pour la fête, on a quand même l'impression d'atterrir avec un F-14 et puis de descendre d'un avion de chasse et de marcher au ralenti, donc il y a un casque, tu vois, sur une piste d'atterrissage quoi. Ça n'a pas grand sens par rapport au reste de l'album. Juste pour le gaillard. Je sais pas. De faire un truc. C'était la cour de récré de l'album. C'est ça, ouais, en fait. Parce qu'en fait, sur un truc, tu fais ce que tu veux. Ah ouais. Je sais pas, j'aime bien. Ça fait chier les gens. Ouais. Oh,
vos influences, j'imagine, c'est du punk rock à roulette, NoFX sans doute. Oui. Nous aussi un petit peu. Bah, au départ, oui. Ouais. Forcément, ce genre de groupe-là, là, tu vois. Ah ouais. Après, moi, je suis très, très scène française. ZAB, on en parlait tout à l'heure. Les ZAB, PKRK, tu vois, tout ce côté où il y a vraiment un peu de texte et puis une petite profondeur, quoi. Les rats aussi, j'aime bien. Un peu plus débile. Les rats, les shérifs, tu vois. Les Sales Majestés que j'adore. D'accord, ouais. C'est simple, bête et méchant, les Sales Majestés, mais j'adore. En fait, c'est que des tubes, quoi. Mmh. C'est Michel Sardou du punk, en fait. C'est que des tubes, quoi. Ah ouais? Que des tubes. C'est vrai. Bah, les Sales Majestés, c'est le prochain groupe que je fais en interview. Donc, Bah, écoute, je les connais pas, personnellement. Ouais. Tu leur passeras bonjour dans le tas, tu leur diras que je suis vraiment un grand bien, fan. On aime bien. D'accord. Surtout la petite caissière. C'est génial. C'était notre jeunesse en fait avec Fred. Moi j'ai commencé avec ça. Ouais. Je suis tombé ce matin au champ. C'était ma première. Ouais. Tu baisses en fait. C'est vraiment tu baisses. C'est ça. On va presque appeler ça une punk de stade. Non mais c'est vrai. C'est vrai, franchement, je mets tous les punks de France au stade de France. Au stade de France. Et ils sont contents en fait. Parce que ça marcherait en fait. C'est un vrai groupe de stade, je pense. Un groupe de punk qui remplit un stade de France en fait. Ce serait la classe. Et j'imagine. Les textes en français, justement. Ouais, c'est en français. Parce que dans ce type de musique que vous faites, l'orniette, tout ça, ça chante en anglais, quoi. De par leur influence, j'imagine. On a commencé, on avait un groupe avant avec Rossi, on se connaît depuis très très longtemps, en fait. Ouais. On avait un groupe avant et on chantait en anglais. En fait, tu peux pas, quand t'as pas un super niveau d'anglais, tu peux pas creuser dans l'émotion, est-ce que tu peux faire vraiment passer en fait, tu vois, en termes de message. Mais en fait, on est parti sur le français. C'est vrai que les gens sont étonnés, tu vois, ah, vous chantez en français. Enfin, les gens qui ne connaissent pas, des collègues de boulot ou des machins. Ouais, mais du coup, les paroles, tu les comprends direct, c'est mieux. En vrai. En anglais. Ça parle moins, c'est aussi une prise de risque de chanter en français parce que les gens comprennent tes paroles. Mais c'est ouais, plus dur d'écrire en français, je trouve. Pour un style d'écriture et des choses comme ça, quoi. Moi, je trouve que tout bêtement, on parle français, on est français, donc ça paraît naturel de chanter en français. Je suis pas chanteur, mais moi, je le vois comme ça. Oui, n'est-ce pas. C'était presque nationaliste, ce qui Non, mais c'est pas du tout. La France au français, il a failli dire la France au français. Mais ouais, non, c'est naturel et puis c'est une belle langue, plein de mots, il y a plein de trucs, tu peux faire plein de choses, vraiment plein de choses, c'est chouette. I'm going to be a little bit.
en fait, vous êtes reformé, enfin, vous avez recommencé à jouer pendant le Covid, hein, c'est ça, pendant le confinement. Non, ça s'est même pas passé comme ça. C'est qu'en fait, ouais. En fait, tous les trois ans, j'appelais Costif et je lui disais, vas-y, on recommence. Mmh. Il me disait, ouais, vas-y, je suis chaud. Puis au bout de deux mois, je m'écroulais et j'avais plus envie. Enfin, tu vois, ça a duré. Et en fait, pendant le Covid, pendant le confinement où on avait le droit de travailler, mais on n'avait pas le droit de sortir, ouais. Mon voisin d'en face est mon meilleur pote. Et on se voyait tous les soirs et il m'a dit, fais un album. Et du coup, il est venu à la maison, parce que moi j'ai un petit home studio, mais vraiment. Il me fait, je m'occupe des boutons, je m'occupe de tout ça, et puis t'as juste à te concentrer sur la création. Et en fait, en un mois et demi, on a plié l'album. Et puis après, du coup, j'ai appelé aussi, je me fais, bah écoute, j'ai un truc, c'est fini. Un truc terminé. Et du coup, donc c'est vrai que c'est un album où il n'a pas été très participatif et très, très personnel. Mais après, pour les prochains, ça va être. On va remettre en branle le truc en mode groupe. Et sans mon meilleur pote, j'aurais pas eu la force, en fait, l'énergie de refaire ça. C'est vraiment une histoire d'amitié. Et là, maintenant, vous tournez, vous faites beaucoup de concerts. C'est compliqué parce que, du coup, Alex, il a Blues. Eux deux, ils sont à Paris, moi, je suis à Nantes. Ouais. Souvent, quand on part, en fait, on part 10 jours. On fait des sessions comme ça, longues. On va peut-être en faire un petit peu plus des dates, on va voir. Les week-ends quoi, en mode ponctuel sur des gros festivals, si on nous demande, forcément on va dire oui, tu vois. Ouais. Et après, on est en mode plus deux voire trois tournées par an, ça sera le maximum, je pense. Ça sera déjà très bien, en vrai. Ouais, c'est déjà très bien, ça arrivera. Ouais. Très bien, on prévoit une tournée peut-être en novembre là, tout ça. Je ne pense pas ça. Et puis continuer sur le gâteau, on est en train de se préparer une petite tournée en Thaïlande au mois de janvier. Et qui pour l'instant c'est en pour parler. Bah c'est un autre nom sur la fiche. Il y a un festoche où on est dessus, mais après il faut trouver les autres dates. D'accord, c'est lui qui gère. Ouais, on a un mec là-bas qui nous gère. Ça va être vacances et musique. Là ça va être vacances et musique avec. Avec de beaux paysages, un truc paradisiaque où on va péter notre bilan carbone. Ah là oui. Mais tant pis. Ça va se faire plaisir quand même. Yeah. Bah je vais vous demander de conclure. Tout ce que vous avez envie. J'ai envie de dire le mot filtre. J'ai déjà eu, je te rappelle. D'accord. Attends, je vais le faire. Ah oui. Vas-y, vous avez un mot à dire, les mecs ? Non. Merci pour l'interview. Et merci à toi de regarder. Et toi ? Et moi, j'aimerais remercier notre cinquième homme, qui est ici, là, si tu peux le filmer. Là. C'est notre pote, Relson. Ingéson et l'homme à tout faire. L'homme à tout faire. Tu veux un tigre, il peut le trouver, tu vois. D'accord. Enfin, c'est un mec, ça. Et donc voilà, je voulais rendre hommage à ce mec-là parce qu'il nous sauve de bien des trucs des fois, tu vois. Et je voudrais finaliser cette interview en disant. Que tu me dises. Attention, la musique, c'est la bande originale de votre vie. Ça sent tout, ça. Ça sent tout, ça. Il a sorti ça un jour en 2007 en interview. We'll be right back.
Thank you.